Salut tout le monde, c'est Kalen, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Ark Survival Evolved. Et on est avec voilà, on est avec lui là. On peut pas. Et avec Yolan, voilà, comme d'hab. Eh, you want something else? Yeah. Merde, voilà, ça t'apprendra à faire de la merde. Alors déjà ici j'ai mis une porte maintenant, donc du coup plus la peine de se faire emmerder par, par des dinos qui voudraient passer sur le pont. Et ensuite, ensuite j'ai commencé des trucs ici, donc j'ai amélioré ce mur, enfin amélioré. Yohan n'est pas très satisfait, mais moi je m'en bats les couilles. Parce que je kiffe. Non mais alors tu vois... Je kiffe les murs en pique là. Ouais mais... Et puis je commence à construire une maison surélevée comme ça là. Moi j'ai demandé l'avis à personne, je m'en bats les couilles. Je le donne quand même mon avis. Non. Non, on s'en fout. Alors, comment on fait? C'est qu'il y a des rochers là. Eh. Des rochers qu'on peut casser donc. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends. Hop. Voilà. Ensuite. Toc. Attends, je te parle d'une montagne. Loading mode. Toc. Attention, je load les mods. Tu load les mods? J'annonce, je load les mods. Allez. Voilà. Voilà. En fait, je pense qu'il m'éclate, c'est Ah, tu peux... Ah, ce caillou là, il est... Ah, d'accord. En fait, je pense qu'il m'éclate, genre, dans Ark, tu vois, genre, les mecs, ils bourrinent comme des tarés pour casser les trucs. Ouais. Alors que tu vois, genre, dans n'importe quel autre jeu, genre, dans Skyrim ou dans Oblivion, ou n'importe quoi d'autre, tu vois, les mecs, genre, ils font ça, mais attends, tellement délicatement. Pierre. Plus le métal, tu sais, genre, ils sont battus. Alors, attends, est-ce que moi, je peux crafter un mur de pierre? Non. Si, je peux même en faire 4. Ah bah du coup bah... Ouais, t'as vu, j'ai... Ouais. T'as vu? Non mais c'est bien ça. Non mais du coup maintenant bah, on peut sortir. Non. Tiens, viens, bonjour. Bah, nique-toi parce que bientôt on pourra pas sortir. Oh. Voilà. Je vais mettre des barricades. Putain, c'était cool ça. Wow. Putain, j'avoue, les mecs, en 2017, faut se préparer parce qu'il va y avoir le premier porno tourné dans l'espace. C'est vrai? Ouais, je déconne pas, c'est pas de l'intox, c'est vraiment, il y a vraiment Pornhub qui a lancé un truc pour tourner un porno dans l'espace. Mais c'est complètement débile. Bah, pourquoi pas. Mais pourquoi les mecs? Pourquoi pas, hein? C'est quoi cette idée encore? Mais comment ils sont? Voilà, c'est pas... C'est... Ouais mais bon. Voilà, perso j'irai le voir. Tu vois, pour la science, j'irai voir. Pour la science. Pour la science. Pour les expériences. Mais non ouais. Les mecs, c'est pas possible. Je pensais pas qu'on allait jusque-là. Mais si, c'est possible grâce à la carte qui. Oui. Ça te dirait de faire notre gueule. Alors, du coup nous, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire de la cuisine. Et quoi poto, tout va bien se passer. Non, je rigole. Je rigole, on va faire des piliers, on va faire des plafonds qui vont servir en fait de plancher. Ok, j'ai recraché. Bah c'est dégueulasse, Popopam. Ça ne se fait pas. Ah bah là c'est bien, je peux construire un petit peu plus loin. Alors, Outlook. Alors, on va détruire ça, la rampe en bois qui est là. Et puis on va faire plus de plafonds. J'ai envie de poser mon truc là, genre mode dégueulassement sur une de tes fondations là, j'ai le droit ou pas? Non, j'ai pas fini. Mais j'ai envie. Non. Bon bah je... Bon bah moi je vais me faire ma maison steampunk, voilà, je vous en mets. Quel enfant, je te jure. Moi je me fais chier. Non, tu sais quoi, voilà, comme tu me fais chier, je vais aller buter des trucs. Dans la forêt, je reviens. Qui va décimer toute la forêt puis il revient après. C'est bon, je suis calmé. Il y a plus personne dans la forêt. Il y a plus personne, il a rasé la forêt. Il y a plus un arbre. Mec, les mecs, elle est où la forêt, hein? Non, rien, je me faisais chier, j'ai construit un parking à la place. T'es énervé.
Beaucoup trop. Bah non, attends, quoi tu non, attends, ah, j'ai attention, attends, attends, y a Marine Léonès qui me dit qu'il y a un événement. Enquête. Ah, attends, je vais répondre à l'enquête. Là, je vais pouvoir en refaire. Donc, je vais en refaire 3, comme ça je serai assez large. Par contre, je vais gamma 4, là, du coup. Bon, il fait quasiment jour avec les gamma 4, hein, c'est dégueulasse. Il va gamma 3.5, on va mettre, ça va être mieux. Voilà, parce que sinon, vous allez rien voir et c'est pas cool. Et donc là, en plus, comme on est en pleine construction, c'est important d'avoir de la précision. J'avais un prof qui disait, la précision est une qualité. Toi-même, tu sais, Yoann. Bah, ce prof, je sais pas qui c'est, mais je l'emmerde. C'est vrai ? Ah, aussi. Bah, vous êtes des beaux enfoirés, parce que Yoann, il t'entendrait dire ça aujourd'hui. Il t'entendrait dire ça, hein. Il serait en train de pleurer. Il dirait de péter la gueule. Ouais, mais je suis en train de me faire manger par des méga piranhas, quoi, les mecs. Y'en a combien, là ? Ah non, c'était pas ce que je... Non. Sniff. Et pourquoi je peux imposer ici? Ah, merci. Ah, merde. C'est un plaisir. J'ai oublié qu'on était en vidéo. Ouais, bah, nique-toi, voilà. Non. Si. Hop. Allumez le feu, pardon. Non. Pourquoi non? Hein? Bah parce que. Parce que non. Hop. Ah, je ne peux peut-être plus en construire. Bah si pourtant. Hop. Voilà. Ton singe il fait de la lumière. Mon singe il est pimp. Eh, hey, casse-toi! Pas moi. Fais gaffe à ce que tu fais. Pas moi, c'est le cadavre de Popopam. Cadavre. Popopam, je crois que t'es mort. Bon, surtout que je suis déco. Ouais, aussi, ouais. Ouais, bah ça va, hein. Hop, on va faire des murs. Plein de murs, parce que les murs, c'est la vie. Ouais, après mieux réflexion, tu as raison. Ouais. Hey, tu vas t'arrêter maintenant. Ouais, ouais. On arrête les blagues maintenant. On va lui péter la gueule. Hein. Bon, sinon tu me le dis, hein, quand est-ce que je peux poser ma table, hein, histoire qu'on commence pas encore, à faire quelque... pas encore. Le truc disons bois. D'ailleurs tes machins, t'as pas l'impression de les avoir posés un peu dans le mauvais sens là? Non, non, c'est fait exprès. Toi qui le dis. Il le dit. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Salut. Arrêtez avec ça. Faut arrêter, elle a souffert cette fille, ok? Faut que j'aille le voir en bonne qualité, parce que j'ai juste entendu un petit peu. Je suis pas venu ici. C'est vrai que c'est devenu une référence maintenant. C'est des mots-clés sur YouTube, quoi. Mec, il tape ça sur Google, quoi, c'est... Mec, sur Google, il tape « je suis pas venu ici pour souffrir », ok? Ah, voilà! Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais le pire, c'est son changement d'expression, elle est en train de parler et d'un coup elle s'énerve, quoi. Attends, moi aussi, je veux voir. Comment qu'on fait le métal? Attends. Et du coup, ça vient d'un mode ou... Ignite. T'es prêt? Et là? Lingot de métal. Fabriquer. Non, j'ai dit fabriquer. C'est quoi? Fabriqué. Metal Blast Forge. Fabriqué. C'est le mode steampunk qui fait ça. Et là t'es prêt, là regarde. Et là, t'attends un peu. Et là. Et là. Et là, je l'ai dit. Et là. STP fait pas ta pute. Et là. Elle là. Oh, 56. Et là t'es prêt, tu continues, je refais pareil. Mais tu fais comment en fait? Je sais pas, moi je fais tout fabriquer sur tous les lingots de métal. Apparemment ça marche. Ah t'es prêt? Et là? Ah ok, d'accord, ok. Et là? Effectivement. C'est un peu long quand même, hein. Mais j'avoue, ça grave tout d'un coup. Ouais, ça grave tout d'un coup en fait, c'est beaucoup plus rapide. Oh putain, 112, allez.
Oh bah faut aller farmer hein les potos. Ouais bah venez, attends Pierre Yohan viens montre-moi où est la grotte et je vais aller farmer là. Oui. Du coup laisse-moi devant la tente. Bah attends, je vais juste poser mon bouclier. Je vais poser mon bouclier parce que bon il est un peu gros. Toc, voilà. Alors gamin, comment est-ce que tu trouves cette grotte? Ah j'espère qu'il y a du métal dedans. Ah il y a du métal dedans. Et l'aspect extérieur. Alors, donne-moi tes premières impressions. On va baisser les gamins là maintenant. Je vais faire ma maison dessus. Gamma 3. Voilà. Ça va être moins fade. Ah bah ça commence à avoir de la gueule hein. Oui d'accord. Et si ça commence à avoir de la gueule hein. Bon du coup on fait encore en priorité le métal. Alors. Bah moi je vais faire du métal vu qu'après moi j'ai envie de faire mon bâton en métal. Ouais métal alors allons-y. Bah après on prend tout, moi clairement je pense qu'on va vider la grotte concrètement. Je vois les balles. Mais tu peux en plus le mec avec le terrain dans ton tas, tu peux vider la grotte. C'est ce que je veux faire. Je vais en faire deux. Enfin non, en réalité tu peux pas, parce que si jamais tu voudrais la vider entièrement, il te faudrait plusieurs pioches. Parce qu'en réalité, là c'est pas ton poids qui va te pénaliser, c'est ta pioche. Ces balustrades là, c'est juste pour voir comment ça rend. À mon avis, ça va pas être ouf. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Oh ça va, ça fait le taf. C'est pas ouf mais ça fait ça. Allez. Et voilà. Et voilà. Alors, maintenant pour finir, on va mettre des portes. Portes. Les collisions dans le jeu, elles sont un peu mal gérées. Ouais, elles sont trop mal gérées, ouais, je suis là. Oui. Et voilà, j'ai mis des portes. Et bah voilà, on l'a notre baraque. Hein, petite maison sympatoche. Vous pouvez donc désormais installer quelques trucs à l'intérieur. Ah c'est vrai, alors attends, parce que moi j'ai un truc. C'est vrai, vas-y, on va tout niquer. Alors je l'installe où? Où est-ce que je peux l'installer? Installer quoi? L'installer. Tu veux installer quoi, poteau? Ah, attends, je vais mettre des plafonds au-dessus. C'est normal que ça mette du temps à fabriquer. Quoi mais faut que tu mets les tous d'un coup. Hein. Ouais c'est ce que je fais, je les ai tous mis, j'ai tout fabriqué. Ok là ça va apparaître, ok. Mec mais il tape des charges le machin s'il te plaît. Mais il fait quoi là? Il retourne vers la base pardi. Oulala. J'ai l'impression que je le touche même pas. Il m'a sauté dessus frère. Ouh putain. Ok il m'a déglingué. Il lui reste 210 000 putain. Allez vas-y on va la voir. Je sais pas combien de HP il lui reste, attends je regarde. Oh putain de... Non. Non. Oh merde. Oui. Il lui reste 95 000. Putain il reste plus que mon pteranodon ça veut dire. Ouais mais j'ai été un peu trop grigné. Hein. Bon vas-y je ripop c'est pas grave, je vais essayer de retrouver la base à pied. Parce que là il va falloir que Gabin il ripop et que moi aussi. Attends je ripop à côté ou c'est moi là? Attends ça veut dire que tu peux même pas reprendre toi tu peux même pas prendre le lit? Bah non. Non. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bah les mecs, il y en a un autre qui est Crisus là. Ah c'est nickel. Je l'ai déglingué. Il est mort? Ouais. Yeah, bravo mec. Cool. Bah avec ça, il m'a pas donné grand chose l'enfoiré. Hein. Il y a pas beaucoup d'XP? Il a donné beaucoup de viande mais c'est tout. Beaucoup de viande et de peau. Genre des milliers mais c'est tout. Attends, parce que là j'ai le stuff de Popo Pam. Ah, attends, bah j'arrive, je suis pas loin. Il dépop dans... Putain, j'en ai chié ma race, hein. Ah non, par contre, Y'a un raptor derrière moi, je suis dans la merde. Y'a le stuff de ton terrain long, il y a encore des trucs dedans. Ah bah, prends-le. Par contre, je sais pas où est-ce que moi je suis mort, en fait, c'est... Moi, je sais que je suis mort dans l'eau, vu que j'ai eu la super bonne idée d'aller... Déjà mon plume, hein, important. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, tout ça, ça me ferait très plaisir. En attendant, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Hein. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles constructions. Notamment pour agrandir cette base et cette espèce de petit port que je suis en train de construire. Oui. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien, à la prochaine, bye à tout le monde. Zoubi. Enfin, tous les youtubeurs ils disent la même chose en fin de vidéo, c'est ouf. Bah écoute, c'est important de dire tout ça. C'est important de dire à nos abonnés qu'on les aime.